Whoop. Propague, elle est là. Mais oui, elle est là, les propagues. Les 73, le Québec, de la part du Sud-Ouest France. Ah, oh, mais j'ai l'air con. Oui, à Penbaille, 448, à Penbaille, s'il vous plaît. Rémi aussi, 73. La division 16 pour le Québec. Ah, c'est passé quand même. 55, porteuse musicale de mon côté, désolé. C'est bon de mon côté, la porteuse musicale est partie. Ouais, je sais pas, c'était bizarre comme musique, hein. J'ai pas trop aimé. Ah, pas bien du tout, pas bien du tout. Tout le monde n'a pas ta chance. Non, mais disons que, comment dire, sans faire allusion à quoi que ce soit, l'être humain est pervers. Donc, dans la connerie de faire chier le monde, eh bien, il y en a qui ont la connerie dans la peau, quoi. Eh oui, mais bon, maintenant, qui à un moment donné n'a pas fait le con sur la CB, ne cesse qu'autrefois, quoi. Je crois que on l'a tous fait, hein. Et voilà. Grillé. Oui, mais je veux dire par là que je suppose que toi aussi, hein, étant plus jeune, t'as dû blaguer aussi sur la CB. T'as dû t'amuser comme ça, histoire de rigoler 5 minutes, passer un peu de musique ou je ne sais trop. Toujours apprécié la radio et pas l'utilisation
selon les normes pour ce que ça a été fait, là. Ah, ça, c'est sûr, hein. C'est sûr, mais bon, il y en a qui te diraient, si tu veux de la CBI pure, propre, bien carrée, parfaite, il y en a qui te diraient, ben dans ces cas-là, passe la licence radioamateur. Mais pour ma part, je suis pas intéressé hein, pour devenir radioamateur. C'est et puis zut, quand je vois le niveau d'études qu'il faut, c'est pas bon pour moi ça. J'ai pas les barrettes de mémoire suffisantes pour rentrer tout ça dedans quoi. Non, et puis je sais pas ailleurs, mais je sais par exemple chez nous aussi remarque ailleurs c'est pareil hein, c'est très t'as le droit qu'à certaines discussions et ceci et cela il faut pas parler d'autre chose, c'est il faut que ça soit que ça, autrement dit radio bidouille météo, bidouille météo radio, ça tourne autour de ça. Alors quand je vois comment l'examen est compliqué pour en arriver à parler que de ça et rien d'autre, alors que sur la CBI on est libre de parler de ce que l'on veut, quoi. La preuve. Et là, si on a envie de dire que tiens, ce matin j'ai fait caca, j'étais un petit peu de travers, je me suis sali la cuisse, la fesse, j'ai dû essuyer tout ça, bon ben c'est non, c'est des conneries. Mais hein. Si on en sur la CBI, si y en a un qui a envie de dire ça, il n'y a aucune règle qui peut l'empêcher, quoi. Ce que je viens de dire d'ailleurs là dans la déconnette, ça ressemble à ce qu'on voit pas quasiment tous les jours sur Facebook. Ah ben alors ça, c'est sûr, oui, là je suis entièrement d'accord avec toi. Ah ouais, non, mais c'est vrai que sur la CBI, je veux aussi rester libre de parler de ce que j'ai envie, quoi, de ce que je veux comme ça, de ce qui se passe par la tête, hein, tant que la tête va bien. C'est voilà quoi, c'est avoir des contraintes en radio, j'ai envie de dire que ça ferait enfin trop de contraintes en radio, c'est plutôt ça, j'ai envie de dire que ça fait fuir de la radio, quoi. Ah ben toi, ce coup-ci, c'est pas moi qui les entends, c'est toi, c'est de ton côté, là. Enfin, plutôt, ça passe de ton côté, quoi. Alors, la météo, chez toi, c'est comment? Moi, ici, là, bon, c'est en gris, quoi, que tout à l'heure, il y avait du soleil. Et c'est passé, là, des moins 4, moins 5, là, le dernier coup, là, que je t'avais montré, à 15 degrés, là, aujourd'hui, quoi. C'est du grand n'importe quoi, quoi. Ouais, mais moins 14 en ressenti ou température réelle? Non, ressenti, température réelle, moins 8. Ah oui, je préfère entendre le moins 8, hein. Ça fait déjà moins froid, quoi. Bon, pendant que c'est assez tranquille, je pense que là, ça doit être tranquille de ton côté. Tu regarderas, là, sur Messenger, je t'ai mis quelque chose à recopier sur un papier. Hachis trois coups.
Ouais, on a parlé en même temps. Ouais, je disais donc que tu regarderas sur Messenger, je t'ai mis un truc à recopier sur un papier. Hachis trois coups. Oui, ok, il n'y a pas de souci, là, il n'y a pas de souci, on va regarder ça, là. Je suis en train de regarder la radio quand je parle, les lumières dans la radio, là, qui viennent de tout sombre à plus clair, là, peut-être que ma physique, ah, ah, t'as l'alimentation qui est trop faible. Je sais pas combien il fait de puissance ton appareil derrière. Et je vois par exemple, moi là au QRA, bon j'en ai une grosse aussi, hein. J'ai une alimentation là, une 50 ampères. Ouais. Tiens, je connais quelqu'un pas loin de chez moi. Oh, lui, c'est beaucoup plus. Par contre, son alimentation, elle est en 24 volts. C'est là, faut suivre derrière. Mais déjà, avec, je vois la mienne avec 50 ampères. Je peux te dire qu'avec le poste qu'il y a dessus, ça clignote pas du tout. Hein. Et elle reste froide, l'alimentation. Ouais, je suis en train de la toucher, là. Pourtant, elle est allumée depuis ce matin. Et oui, oui, enfin je dis depuis ce matin parce que là ici il est déjà 4h moins le quart hein, presque. Et elle est toujours froide. Hein. Oui, oui, justement, j'ai fait une petite recherche, j'ai pas trouvé grand chose. C'est à Douane vieille, hein, celle-là. Hein. C'est alors attends, je suis en train de rechercher là où c'est que j'ai mis ça, quoi. Où j'ai mis ça. Ah oui, j'ai mis ça dans dans le musée du forum. Alors, ouais, je suis tombé sur un site. Hein. Alors, le mec, il me parle que de la puissance en FM. Alors, lui, quand il rentre avec 30 watts FM, il ressort position 1, 50, position 2, 65, position 3, 80, position 4, 100, position 5 et 6, 115. Voilà, il donne que la mesure en FM. Il donne pas la mesure en BLU. Oui, 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 ben là, FM ou Alpha Mic, de toute façon, je vois la mesure qu'il a mis, le gars, en plus, attends, c'est la même chose, hein. Par contre, je suis en train de m'apercevoir d'un truc, là, le site où j'ai trouvé l'info, là, c'est sur, ouais, bon, bref, je te donnerai le lien, si tu veux, il met 30 watts FM pour rentrer dedans, mais c'est n'importe quoi, ça, surtout que, quand je regarde, j'ai trouvé la fiche technique, d'ailleurs, attends, enregistrer l'image, tac, je tape assez directement la fiche technique. Alors, là, dans quelques secondes, tu vas l'avoir. Oui, voilà. Tac. Voilà, je t'ai envoyé la fiche technique en message perso. Hein. Donc là, tu l'as. Et il marque dedans, alors, fréquence 25-30 MHz, mode, bon, AM-FM et CSB-CW, puissance d'entrée maximum de 4 à 10 watts maxi, ouais, 50 watts PEP, putain, ça fait un sacré écart, ça, et puissance de sortie 200 watts AM-SSB. Mais t'es bien d'accord avec moi que normalement entre l'AM et la SSB, il y a forcément un écart de puissance.
Là, pour eux, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet appareil? Ah oui. Ah oui, non, mais c'est sûr, je suis bien d'accord avec toi. Attends, j'ai cru entendre quelque chose, un petit passage de propag. D'ailleurs, je vais laisser un blanc pour voir. Bernard, lequel? Ah si, on entend. Ce que j'allume et j'éteins là à côté, c'est le QRM Eliminator. Alors, autant sur le 7009, j'ai magouillé ça pour pouvoir le brancher, pour pouvoir brancher le TX dessus. La fonction TX dessus, autant sur le Yazu, j'y comprends rien. J'ai fait un test là au niveau du micro, d'ailleurs qu'on voit là, pour récupérer le branchement PTT, voilà. Mais quand je teste après en émission, ça me fait passer des trucs bizarres dedans. Oh, je crois que j'ai compris. 14, unité francophone 001. À tous les coups, c'est lui. 14, unité francophone 01. Donne-moi l'indicatif, Gilles. Oui, il est tellement possible de faire un pied. C'est toutes les félicitations réunies d'un 10 de 14, Papa Lima. Ah zut, c'est pas lui. Ok, je croyais que c'était un autre Bernard, plutôt du côté de Royan. J'ai cru que c'était Bernard 14, unité francophone 01. Je croyais que c'était lui. Ok, alors les 60. Eh mais attends, que je regarde ça. Puisque on a un Bernard. Ah oui! Ok! J'ai son message devant les yeux, là, sur le groupe des talents. Voilà, il l'a mis hier. On a discuté un petit peu tous les deux. Et les 73-51, retournez à lui. QSL, t'as les 73-51 de la porte de Rémi Dandy, Bernard. La porte de Rémi Dandy, mon ami, 038, Bernard. QSL, je retourne au micro, Rémi.
Ouais, justement, j'étais en train de lui marquer par écrit. Comme quoi, je lui retournais, là, les 73-51. Alors, eh bien, tiens, ben, comme le dernier coup, là, je suis en train de faire aussi, là, une vidéo. Donc, il pourra pas non plus s'entendre dedans. Il pourra écouter la vidéo, ça, c'est clair. Mais il pourra pas... là, ça passe pas non plus. Ça veut pas non plus de son côté. Oui, ça passe petit là. Ah, Gilles? Ah, il y a quelqu'un qui doit être en train de parler. Hein. Notre M du Québec. Là, ça me serait compliqué avec l'autre poste là, de faire du DX. QRM27. Affirmatif, c'est lui. Oui, qui est Pascal,
51, mon ami. Oui, ça va bien, ça va bien. Avec la propagation que nous faisons en vidéo. Oh, c'est un peu mieux qu'il y a quand même, Pascal, sur le ton micro. Il y a un autre Québécois derrière. Ah, dommage que je n'entends pas Pascal, parce que je l'ai en parallèle en message perso. Ah oui, affirmatif, et je savais qu'il était derrière Pascal. Il m'a laissé un message perso justement là sur Messenger. Justement, il me disait que qu'il t'entend et qu'il allait justement... Alors, comment il a mis ça? Qu'il allait se mettre sur la directive pour t'attraper en fréquence. Alors je sais pas si lui il m'entend, moi je l'entends pas en tout cas, hein. Ça passe pas de mon côté, Marc, normal, il est en directive. Hein. Puis suivant où il est, évidemment je risque pas de l'entendre. Mais bon, si des fois sur les pointes de la directive il arrive à m'entendre, les 73-51 Pascal de 14 km, 33-01 Rémi, Dundee 33 sous le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Ça c'est fait. Ok, ben oui, parce que là, vu que je l'entendais pas du tout, je savais pas trop s'il était en train de parler ou pas. Ok, ouais, ben là, que tout à l'heure, j'ai une notification, je regarde le message. Ah, Pascal, j'ai putain, ça serait génial que je l'ai en fréquence. Mais bon, tu vois, là, ça, c'est compliqué, là. C'est, je crois que pour arriver à voir Pascal en fréquence, il faudra que ce jour-là, la propague soit davantage tournée vers la Belgique, de ce côté-là, vers le nord de France, dans ces environs-là, pour que ça arrive à passer, quoi. Ah, tu m'étonnes qu'on en profite. Mais il n'y a pas d'autre station là qui break derrière, il n'y a personne. Parce que moi, de mon côté, je les entends pas. Hein. Oh ben d'accord. Eh, c'est pas vrai que tout le monde s'est mis à travailler là ou quoi? pour ne pas être en fréquence. T'as, il est déjà 4 heures là ici là. Ah ben j'en ai une qui va bientôt arriver quoi. Vu l'heure.
Ah, c'est quand même étonnant. Tout à l'heure, là, j'entendais un petit peu une autre station québécoise là, passer dans le lointain, là, mais vraiment dans le lointain derrière. Donc, je sais pas, il y a peut-être un autre QSO parallèle du côté Québec là, qui passe peut-être pas de ton côté non plus. Enfin, qu'est-ce que je bafouille? Que tu n'entends pas de ton côté, je veux dire. Ah, attends, j'entends gazouiller. Non, plus rien de mon côté, peut-être du tien, je sais pas. Ah, je viens de voir l'XY qu'elle arrivait. Ah, pourtant tu passes bien de mon côté, hein. Attends, je reviens, je vais lui dire bonjour. J'arrive, je reviens de suite. Donc les stations qu'il y a derrière, ben en avant, hein, la porte est ouverte. Enfin, à moins que Gilles ait fermé toutes les portes du couloir, mais c'est ouvert en principe. Bon, de retour, ça veut pas apparemment. Tu l'as entendu, Gilles? Ouh, la propagande est en train de tourner. Je crois que là, c'est pour le moment, c'est fini là de mon côté. Si je t'ai pas à nouveau en fréquence, eh bien les 73-51 à toi, Gilles. Et bon QSO, bon DX de ton côté, et puis on verra bien tout à l'heure. Ouais, je t'ai entendu très 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 QRP là derrière le QSO qui vient d'arriver là. Par contre là, vous voyez, dès qu'on descend du côté des 40 canaux homologués, ça passe, ça passe.
T, voilà. Bon, ça passe qu'à ça en AM, c'est sûr, il y a de la propague. CQO CQO CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Canada. Hey, Randy, good morning. Whiskey 2-3-4. Whiskey 268, USA, try. Appreciate that. Get back to you. It's Texas. Hey, you want to church bus at the Mobile Highway. Very good. Hey, what's your name? Good morning. Whiskey 268, USA, try. Got that mobile working. Et plus on monte, plus c'est calme. Ou moins fort. Quoique. Là par contre, c'est complètement parti. Et plus rien plus haut. Ah si. Bah, il a raison. Bon, par contre, cette musique, ça le fait pas trop. Bon, eh bien, on verra tout à l'heure. Alors, 16h30 presque.
Gilles repasse à nouveau de ce côté-ci. Il n'y a plus la musique. Qu'aller prendre le micro, là pour le coup je vais le laisser un peu tranquille. Oui, passez des bonnes fêtes, joyeux Noël et bonne fin d'année. Rémi de retour. Ok, j'attendais justement. ouais, ça repasse à nouveau. La musique s'est arrêtée. Je te rends à nouveau correctement de mon côté, par exemple. Ah, c'est ça. C'est vrai qu'autrefois, j'aimais bien jouer au yo-yo. Moi, c'était amusant, le yo-yo. Putain, t'as été complètement surmodulé là. D'accord, il y a un contest dessus là en plus là qui campe là sur la fréquence, Gilles. Contest. Contest. Oui, moi je conteste
Tu contestes les contestes, donc t'es un contestataire. Aïe oh, je suis, je percute. Et puis Gilles, toi, par rapport à tout à l'heure, moi je suis pas là dans la salle de réunion. Hein. Ah, je suis trois coups. Ah oui, j'avais bien compris. À quel moment tu préfères contester? Quand tu es dans la salle de réunion ou quand tu es en réunion, je veux dire, ou ailleurs? Parce que ce matin, tu étais en réunion, c'est bien ça. Hachi trois coups. Et là, tu as pas mal contesté, là, je crois. Bon, je traduirai pas ça. Non, je traduirai pas. Je suis bien parler de ça, oui. Ah oui, quand même. Ah d'accord, il va falloir que je fasse curieux justement là du côté des sites d'information là sur le Québec. Hein. Là, faire voir un petit peu de ce côté-là, là. Ah effectivement, oui. T'as la vache, ça va pas faire semblant. Et au fait, Dieu, justement, puisque tu parles de ça, autant chez nous, enfin sur le sud-ouest de France, la période d'hiver est assez courte. Au niveau du calendrier, c'est 3 mois. Mais bon, en réalité, c'est un peu moins que ça quand même. Mais de ton côté, toi, l'hiver, pas calendrier, mais sur le terrain, l'hiver dure combien de temps à peu près? Ouais, enregistrer le break. 4 mois, pas plus. Pourtant, le Québec, les hivers sont connus pour être longs là-bas. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je crois que j'ai entendu un break. Donc, avec ta permission, on va le laisser rentrer. Donc, si le break m'entend, en avant le break. Il m'entend pas. Bah, il m'entend pas. À tous les coups, ça a été un petit coup de vent de propague qui nous a amené quelque chose, puis paf, c'est reparti. T'es, tu l'as entendu, hein? Je crois que c'était du Made in Italia.
Putain, oui, je suis étonné de voir que comment c'est calme. Je sais pas, alors attends, Pascal, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, il t'attend encore, mais c'est très petit, hein. Voilà, c'est très petit de son côté, là, du côté de Pascal. Hop, là, ça a baissé, là. Ouais, tu me dis? J'ai pas compris. Ah ben, je crois que là, pour le coup, c'est parti en sucette, en cacahuète et tout l'apéro avec. Il y a quelque chose derrière. Alors, je suis pas sûr, mais il me semble t'entendre derrière. Peut-être soit tu as le fusible encore de ton appareil à côté qui a claqué, ou alors c'est la propague qui nous fait une blague et qui nous dit ciao pour tourner ailleurs. Ah, bah te revoilà. Mais je t'entendais plus. Ah, eh, ça fait le yo-yo. Eh, on fait une partie à deux de yo-yo. Ouais, bon ben là, ouais. Là, on va pas insister plus loin. Je vais te laisser aller surfer sur d'autres fréquences. Je vais aller faire pareil aussi, voir un petit peu comme ça, écouter vite fait à droite, à gauche, et me mettre de suite au travail là sur cette nouvelle vidéo. Toi, ton côté, t'as vu, c'est bon, c'est tout cuirot, c'est nickel. Ça pourra être surtout plus rapide pour toi au niveau vidéo. Donc là, c'est nickel. Donc ouais, je vais faire un petit tour de mon côté. Alors je te dis les bonnes 113 51 88 à Nathalie, 212 au Cuira, une caresse aux souris qui se baladent sous ta maison. Et puis on verra bien demain ce que ça donne. Allez, merci pour le QSO, à plus, bye Gilles. Ok, ah, pendant que j'y pense, demain, alors là, il est quelle heure? Ici en France, il est 4h40, 4h45. Demain à 5h, autrement dit, dans un bon quart d'heure, demain, je serai à nouveau en réunion. Donc, ça sera, je serai obligé de QRT là vraiment de suite maintenant, quoi. J'aurai pas le choix. Allez, je te laisse et à plus tard pour le partage de la vidéo. Je verrai de ton côté si tu en as partagé. Hachi pour les partager également. À plus, merci Gilles. Merci, et toi aussi, alors attends, 4h moins le quart, 5h moins le quart, donc ça doit faire du 11h moins le quart de ton côté, hein, c'est bien ça?
Ok, ça marche. Allez, je te laisse. Merci, bye. La Guadeloupe sur la fréquence. Oh, on a eu une mitrailleuse. Où est la Guadeloupe? Bonjour, je crois que c'est Canada, donc ici la Guadeloupe. Ah, c'est pour Gilles. Alpha Tango, unité 0 unité, l'opérateur Bernard, sur la commune de Saint-François, Guadeloupe, avec 27,5 degrés centigrades. Je renvoie le mic. Oui, c'est l'été. Ah, de mon côté, c'est bon, j'ai entendu 27 degrés chez lui, les 73, la Guadeloupe de 14 kilomètres, 33,01, Rémi, le sud-ouest France, département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion, avec une température maintenant de 14-15 degrés. Ok, merci pour le retour. Alors de mon côté, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 15 degrés, temps variable. Suivant les régions en France, il y a de la neige, suivant les régions centre, régions parisiennes, tout ça, là, tous ces coins-là, sur une bande horizontale, il y a de la neige qui est annoncée. Alors que moi, de mon côté, ben, c'est tout juste si on se mettrait pas en t-shirt. Non, je plaisante. Et côté de l'heure, eh bien ici, il est 5h moins le quart, 4h45. Voilà, là, pour l'heure ici sur la France. Et au niveau de la station, alors je suis avec un petit Yazoo FT450AT, voilà, qui n'est pas d'une première jeunesse, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Et au niveau de l'antenne, l'antenne n'est pas très haute non plus, 9 mètres de haut, et c'est une vieille Sigma Mantova 8. Voilà, je suis qu'en vertical. Et autrement, sur la Gironde, mon QRZ local, c'est Dandy 33. D'accord. S'y mettre du sol. Ok, alors la propague, ok, j'ai tout bien pris. La propague est en train de fuir là en ce moment. Si tout à l'heure je vous entendais très bien, là je vous entends plus qu'à un demi-point, pas plus. Donc je vais retourner le micro sur 9 Bravo Charlie 555, qui est à l'ouest de Montréal, à Pointe-Calumet, voilà, qui est situé à l'ouest de Montréal. Je vais faire un retour de micro sur lui. Pour ma part, je vais vous envoyer les bandes 73 de 14 kilomètres 33,01, car là, de mon côté, ça y est, ça ne passe plus. Retour Gilles. Ok, d'accord, bah, du côté de Gilles, 9 Bravo Charlie 555, c'est pareil, c'est en train de fuir aussi, là, c'est tout petit aussi, là, d'après ce qu'il me dit.
Bon, ben merci pour pour le petit échange. C'était super cuiro de nous envoyer du soleil en même temps. 27 degrés, c'est vrai que ça nous fait plaisir un petit peu quand même ici, là, alors qu'on est en plein hiver. Merci à vous. Bon QSO, bon DX de votre côté. Et là, ça passe plus. Bon, ok Gilles, je te laisse, les modes 73, à plus tard. C'est la Guadeloupe, je sais pas où. La Guadeloupe, ça envoie les 73, oui. C'est toujours ton souci. Bonne journée. J'ai rien fait pour. Hein. J'ai pas lancé des billets pour les attirer. Hein. Ok, oui, c'était bien la Guadeloupe. Hein. Les 73-51, Gilles, bonne journée à toi et bon appétit pour tout à l'heure. Tac, ça y est. Alors, tri, il a dit tri, le monsieur. Eh bien, on tri, eh bien, c'est Brésil. Qu'est-ce que je fais? Et voilà. Là, c'est repassé à nouveau. On est du côté des 40 canaux. Zut. Bon, ben, c'est pas la peine de lancer un appel sur la fréquence moniteur des kilomac. Étant loin des grandes villes, forcément, j'ai pas grand-chose. Dans le nord de France, par contre, il y a du monde sur le 19. Alors, j'ai vu des messages passer disant qu'il n'y avait personne sur le 19 sur le nord de France. Mais pourtant, j'en connais qui font tous les jours des QSO. Alors, ils sont sur la route, hein, donc canal des routiers, c'est normal. Hein. Et donc, tous les jours, ils se croisent, ils se parlent, ainsi de suite. Hein. Tous les jours. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Gilles sur YouTube. Je vous mets la capture d'écran de sa chaîne YouTube. Ok, 26 Charlie Bravo 1.
172. Just pick Terry Bravo, 172. You're 5-4. 5-4 is the log, okay? Watch out for the turning, my friend. Okay, let us do the repeat your name, make up your name, repeat your name, Roger.